Eh bien salut tout le monde, c'est Cyrus et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre Tour de France avec la Trek Factory Racing. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui nous allons terminer les Pyrénées avec l'étape du plateau de Baye et nous allons faire l'étape de Muret et Rodez. Donc deux étapes dans cette vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on est directement parti pour ce plateau de Baye. Donc, comme j'ai pu le dire dans le Pro Team d'hier, j'ai mis en place un petit planning vu que sur ma chaîne maintenant tout sera regroupé. Je vais d'ailleurs en parler sur cette vidéo. Mais j'ai fait un petit planning. Et tous les Tours de France, que ce soit le Versus qui arrivera après ce tour-ci ou un autre, ah ben ça sera les mardis et samedis. Donc le mardi midi et le samedi midi, vous retrouvez le tour avec la Trek. Tout simplement. Donc voilà, il nous reste samedi prochain. Du coup, on aura terminé ce tour. Donc voilà, j'ai préféré faire ça comme ça. Je me perdrai moins. Par exemple, le lundi, je sais que pour le lendemain, je dois tourner le tour et la carrière manager FIFA. Le mardi, le mercredi, quand je rentre des cours, je sais que je dois tourner un Pro Team et un Minecraft. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est mieux pour moi. Je vais vous parler durant cette vidéo aussi du fait que j'ai regroupé. Oh, il est en bonne forme, ça c'est cool. Du fait que j'ai regroupé les différentes. Le fait que j'ai regroupé les différentes. Toutes sortes de vidéos sur la chaîne. Mais je vais vous expliquer. Alors, est-ce qu'on prend l'un des deux? On va prendre Frank Schleck. Café, citron. Et c'est parti, on va l'envoyer dans l'échappée, Frank Schleck. Donc alors, je vais vous parler de choses importantes. C'est que beaucoup ont fait... Déjà, j'avais fait un sondage pour savoir si vous voulez que je regroupe tout sur la chaîne. Et c'était du... Il y avait eu plus de 400 votes, il me semble, à la fin, quand je l'ai arrêté. Et c'était du... Quasiment 200-200. C'était peut-être 203 à 197. Donc c'était kiff-kiff. Donc j'ai départagé moi. Parce que bon, qu'il y ait 2-3 votes d'écart, on va dire que c'est pas grand-chose. Certains m'ont dit, ouais, tu fais un sondage et tu respectes pas. Je pars du principe que s'il y a que 2 votes, que 2 voix d'écart, c'est du kiff-kiff. Que je fasse l'un ou l'autre, ça vous plaira. Je pars de ce principe là du coup, et puis je préfère faire un truc qui me plaît qu'un truc qui ne me plaît pas et que je me lasse. Parce que si j'aurais continué à faire que du vélo, ok, vous aurez tous été contents, mais ça m'aurait lassé moi, et je pense qu'à un moment donné j'en aurais eu marre et j'aurais sûrement arrêté de faire les vidéos vélo tout court. Alors que là j'ai trouvé un juste milieu. En faisant les vidéos vélo ainsi que 2-3 vidéos FIFA et Minecraft sur le côté, ça me permet un peu de changer de jeu et d'oublier entre guillemets le vélo. Même qu'on soit clair, peut-être que je fais des autres jeux maintenant, mais le jeu principal de ma chaîne, ça sera Tour de France et PCM. Tout le temps, peu importe l'époque, enfin la saison pardon, ça sera que du Tour de France et du PCM. C'est-à-dire que tous les jours vous aurez votre vidéo par jour Tour de France, enfin votre vidéo cyclisme par jour. Tous les jours. Et en plus de ça, donc c'est du bonus. Donc ceux qui... Parce que je sais bien qu'il y en a, ils ont mis des pouces rouges sur les autres vidéos. Juste parce que j'ai regroupé tout ou qu'ils sont des abonnés. Il n'y a rien qui va changer par rapport à avant. Ça va rester comme ça. Vous aurez tous les jours votre vidéo vélo. C'est juste que en bonus de ces vidéos vélo, vous aurez des vidéos sur d'autres jeux comme FIFA, Minecraft, des let's play sur Assassin's Creed, tout ça. Donc vous êtes perdant en rien, vous êtes même gagnant. Et puis moi, ça me plaît de faire ça. Ça me plaît d'aller un peu sur du FIFA. Certainement beaucoup de montage, mais voilà. Par exemple, si... Par exemple, pour le lundi, c'est le Pro Team et la carrière pro sur FIFA. Si on est dimanche soir, j'ai le temps de tourner qu'une vidéo, je tournerai en priorité la vidéo vélo. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir à tout prix. Et je ne ferai jamais en priorité la vidéo FIFA. Ce sera en priorité la vidéo cyclisme. Donc en priorité le Pro Team. Et si la carrière pro saute, c'est pas grave. Comme j'ai dit, les autres vidéos cyclisme, c'est en bonus sur ma chaîne. Ce n'est pas... ça ne fait pas partie intégrante de ma chaîne. Je me considère toujours comme une chaîne 100% vélo. Enfin, 100% non, mais comme une chaîne avec énormément de vélos. Comme une chaîne cyclisme. Je me considère toujours comme youtubeur TDF. C'est juste que à côté du TDF et de PCM, ben je joue à 2-3 jeux. Mais en aucun cas ça va influencer sur le rythme de diffusion des vidéos cyclisme. Tous les jours vous aurez votre vidéo cyclisme. Ces jours, par exemple la semaine passée, il y a 2-3 jours il n'y avait pas eu de vidéo cyclisme. C'est juste que j'avais eu un problème de connexion. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu. Et même que certains sont venus en me disant, ouais ça y est, il y a des nouveaux jeux et tu sors plus le vélo. Non, c'est juste que j'avais des problèmes de connexion. Du coup, je ne pouvais pas vous poster de vidéo. Mais
en aucun cas ça changera et c'est sûr que le vélo restera le allez le jeu allez le jeu phare de la chaîne. Vous aurez toujours votre vidéo par jour de cyclisme. Et si par exemple pendant 2 semaines ben, il n'y a plus FIFA, il n'y a plus Minecraft, c'est pas grave, je me consacre qu'au cyclisme. Par exemple sur une si pendant une semaine j'ai beaucoup de travail pour l'école. Ah ben, et que je n'aurai le temps de faire qu'une vidéo par jour et non deux, ben je me consacrerai au cyclisme et vous aurez que le cyclisme. Donc chaque fois, si jamais il y a des dilemmes un peu qui se proposent à moi comme ça, dans ce genre-là, sachez que je prendrai toujours le cyclisme en priorité et non l'inverse. Et par exemple, si on est jeudi soir, j'ai pas le temps, par exemple, j'ai le temps de tourner qu'une vidéo, ben je tournerai pas du Minecraft. Loin de là, je tournerai en priorité le Pro Team. Et si j'ai le temps de faire le Minecraft, ben ça sera en bonus. Mais en aucun cas, ceux qui sont abonnés pour le cyclisme seront désavantagés. Ça restera comme avant, toujours une vidéo par jour de vélo, tout simplement. Donc il n'y a rien qui changera envers le cyclisme, donc je comprends pas pourquoi vous êtes 2-3 maintenant à disliker toutes les vidéos hors cyclisme, alors que ça change rien. Parce que certes ils sont là, mais ça vous dérange pas, parce que vous avez toujours vos vidéos cyclisme une fois par jour. Du coup, vous vous en foutez un peu si vous regardez pas les autres vidéos, tant pis, vous regardez que le cyclisme, et c'est un peu le but de ma chaîne. Parce que vous êtes 5000, c'est 5000 pour le vélo, et pour rien d'autre, ça j'en suis conscient. Mais, ça sert à rien non plus d'aller disliker, ils sont là. Vous n'aimez pas le jeu, vous ne voulez pas regarder, vous ne regardez pas, mais vous vous amusez pas à mettre des dislikes sans regarder. Parce que je suis pas con, je sais que c'est des gens, ils disent « Oh, c'est pas du vélo, allez, on va mettre un petit dislike » et ils se cassent de la vidéo. Je le sais très bien. Donc, tout simplement, voilà. Donc, rien ne changera envers le cyclisme. Vous aurez toujours votre vidéo par jour de cyclisme. Donc, ceux qui sont abonnés pour le cyclisme, ne vous en faites pas. C'est pas parce que ça y est, je fais des autres jeux que je vais abandonner le vélo. Ça sera toujours le jeu principal de ma chaîne. Tout simplement. Voilà. C'est fini pour la petite parenthèse. Hop. Et maintenant, on va se reconcentrer sur cette étape. Et je pense que Frank Schleck aura du mal à terminer la course. Surtout en fait que ça roule déjà derrière, j'ai l'impression. Enfin, ça roule un peu, ils sont plus que 4. Ils sont plus que 2 devant. Ils sont plus que 2. Et non, 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 ça n'ira pas au bout. Très loin de là. Allez, on va reprendre maintenant 25 km de l'arrivée. On est parti du coup pour le plateau de Bay. On voit Frank Schleck qui est là devant avec Jérôme Coppel et Ouzarski. Ok, bonjour Killzone, ce n'est pas le moment, je turn une vidéo. On va passer sur Bokemolema, maillot jaune du coup. Maillot jaune avec Bokemolema, donc ça fait plaisir. On a Emarzou Beljak qui est là pour nous aider. On va demander à Nizzolo de finir tranquille. Et aux autres, à part Nizzolo... Voilà, carte blanche. Et Zubelja de me protéger. Voilà. Et on est plus que 57 déjà. Ouh là là, étonnant. Non, 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 en fait, roule tranquille, Schleck. De toute façon, ça n'ira pas au bout, hein. Il n'y a qu'une minute d'avance, faut pas se faire à l'idée, là, ça n'ira pas au bout. Donc, c'est fini pour l'échapper, tant pis. Écoutez, à moins que le peloton se décide de s'arrêter tout d'un coup et ne roule plus jusqu'à 10 km de l'arrivée, ce qui m'étonnerait fort. Ah ben, l'échappée n'ira pas au bout aujourd'hui et c'est un peu dommage. Bon. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et... Pas encore d'échappée qui va au bout. Hein. Le groupe si Rigoberto Urán la veille qui a été au bout, mais course. Nous on n'a pas résisté. Malheureusement Rigoberto Urán. Ok, Jérôme Coppel qui se casse. Il n'y a plus qu'une minute d'avance. Hein. Une minute d'avance pour l'échappée, pour l'homme de tête maintenant. Où est Zubelja? Il est bien là, il me protège bien Zubelja pour le moment. Bon là il n'y a pas besoin de passer le gros braquet, hein. Ils se démènent tous gros braquet, mais nous on est très bien petit braquet, on arrive à suivre donc c'est parfait. Plus que 50 secondes, là ça roule très fort là dans le groupe maillot jaune, hein. ça roule très très fort. Alors qu'on aperçoit Ouzarski et Frank Schleck. Ça revient sur... Ok,
écoutez, bon, mais Franchlek, on va lui dire carte blanche. C'est la Lotto Jumbo là qui roule devant. Sûrement pour Robert Racing qui est 10ème du général actuellement, je le rappelle. Christopher Froome est bien là. Actuellement, on est très très bien niveau classement général. Hein. On a 2 minutes d'avance. Non, 15 secondes d'avance sur Nibali, 2 minutes d'avance sur le 3ème et 4 sur le 4ème. Donc on est très très bien. Donc il va falloir qu'on gère cet écart, même si ça va être compliqué. Bon, là, avec une bonne forme, on a 79, ça nous fait peut-être un 81 en montagne. Allez, Zubelja est bien là. Il nous protège bien. Moi, j'essaye de pas trop donner tout de suite. Hein. Il nous reste encore 17 km à faire. Et ne vous en faites pas, ça c'est officiel maintenant, on va bientôt tourner le Versus. Donc le Versus arrivera dès la fin de ce tour avec la Trek. Et oui, il est temps, hein, il était temps. Mais le Versus arrivera bien, ne vous en faites pas pour ça. Allez, c'est parti pour le plateau de Bay, 15 km. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, on va pas rouler non plus tout de suite. Si ça roule pas, moi je vais pas rouler. Je vois pas pourquoi je roulerai pour les autres. Je suis maillot jaune, ça a eu de rouler pour attaquer. Ça y est, Quintana il a compris qu'il fallait rouler pour m'attaquer. Et il se met déjà en tête de peloton. Et ouais, Quintana qui fait le tempo. Attention ça. Si c'est Quintana qui fait le tempo, ça peut être dangereux. Christopher Froome est bien là. Zubelja est là. Il nous protège encore. Est-ce qu'il a une bonne barre bleue? Donnez le ravito à tout le monde. Parce que là, Zubelja, il a failli crever. Sous mes yeux. Allez, hop. C'est fini pour l'Astana là. C'est pour qui ça? C'est pour Reyn Taramaïk. C'est fini. Ouais, Leopold Koenig. C'est fini pour Frank Schleck. On est déjà plus que 52. Et ça va encore diminuer. En tout cas, Zubelja fait un très bon boulot là. Kreuzweig, il a roulé là pour son leader. C'est fini pour lui. Ça ralentit un peu. Bah voilà, il n'y a plus personne pour rouler là. Koenig qui protège Froome, Quintana qui protège Verde. Du coup, il n'y a plus de poisson pilote pour rouler. C'est un petit peu logique. Ah, c'est fini. C'est fini pour Aymar Zubelja. Donc, c'est pas à nous de rouler. On est maillot jaune, on ne roule pas. C'est logique. Je vais pas rouler pour les autres alors que c'est eux qui doivent me reprendre du temps. Donc, moi, je temporise. Écoutez, si. Tant pis, ça va être une montée très longue. Mais moi, j'ai pas à rouler pour eux. Et du coup, ça va faire les affaires des gars de derrière. Hein. Bah bien, mais what? Il s'est enflammé d'un coup là, Jungels. Il s'est dit, ok, je suis chaud là. Ça roule pas du tout. Ah, ça y est, c'est revenu pour Kelderman. C'est revenu à 13 km, c'est reparti pour Wilco Kelderman. Donc là, on va se remettre à rouler un petit peu derrière lui pour ne pas être décramponné. C'est vraiment le pied du col qui est vraiment le plus compliqué. Hein. Enfin, quoique, ouais, dans le plateau de base, c'est tout qui est compliqué. Donc bon. Ça va bientôt être fini. Ça y est, c'est déjà fini. Nibali est déjà tout seul et attaque. Attaque d'Alejandro Valverde. Attaque d'Alejandro Valverde de Christopher Froome là. Christopher Froome, il est tout prêt au général. Faut qu'on essaye de suivre un petit peu au moins. C'est Pierre Roland qui est parti. On roule petit braquet pour essayer de revenir tout doucement. Et il y a un petit écart qui est en train de se créer derrière. C'est Robert Racing en personne, j'ai l'impression qu'il roule. Faut revenir là parce que Christopher Froome de 56, on peut pas laisser partir là Christopher Froome. Grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours mais aussi sur les classiques ardennaises. Allez là, on va revenir sur Froome. Voilà, on est revenu, ils sont plus que 23 derrière. Hein. Ils sont plus que 23, ça y est, ça va ralentir un gros coup là. On va pouvoir se reposer encore un peu. Et c'est reparti, Christopher Froome qui en remet une. Attention au Britannique, il a l'air en forme là, le Britannique, on est plus que 6 là. Quintana n'est pas là, Quintana n'est pas là. Il est 18ème au général, il est très très loin et c'est Alejandro Valverde qui compte derrière ainsi que Thibaut Pinot. Le 3ème et 4ème du général partent à 2 en tête. Et non, Valverde ne peut pas y aller, j'ai l'impression. Vincenzo Nibali est bien là, mais il a l'air de piocher un peu. Alors qu'on est encore à 10 km, il pioche déjà Vincenzo. Quintana est derrière. On va revenir tranquille sur Robert Racing, bien évidemment. Contador n'est pas là, même Kreuziger est mieux que Contador, ça c'est une image forte. Et Barguil qui revient sur nous. Warren Barguil est revenu facilement sur nous là. Faudrait qu'on arrive à reprendre la roue de Robert Racing là. Ça serait une bonne idée. Allez là. Oh là là, Quintana qui est revenu sur nous également. Ah, Vanguard Run aussi. Ils sont tous revenus quasiment. Et là, c'est Christopher Froome et Nairo Quintana qui sont en train de partir devant. Déjà 20 secondes d'avance sur nous là pour les deux. Le duo de tête qui s'était déjà échappé à deux sur la 10ème étape avec l'arrivée à. Au truc. Ouais, bon, j'ai un petit trou. Je sais plus c'était. Enfin voilà, vous m'avez compris.
Allez, on est bien revenu là dans la route. Thibaut Pinot et Vincenzo Nibali. Va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la Montagne. L'arrivée. Et là, c'est compliqué. Attaque de Thibaut Pinot et de Robert Racing. Nibali qui suit également. Mais bon, ils vont se crever à attaquer comme ça. Donc moi, je continue à suivre tranquillement. Je continue à rouler à mon rythme. Et Van Garderen et Barguil, ils l'ont compris qu'il fallait pas essayer de suivre. Ils l'ont très bien compris. Nous, on monte à notre rythme tranquillement. Regardez, on les lâche déjà quasiment, carrément. En roulant un petit braque, on arrive à les lâcher. Mais par contre, Valverde et Froome, ils sont forts devant. Hein. Ils arrivent à augmenter l'écart alors que ça roule hyper fort. Je peux pas rouler plus vite. Hein. Ah, mais c'est normal, ils attaquent là. Et Valverde qui attaque Christopher Froome, il est en train de lâcher le Britannique là, Alejandro Valverde. Oh, Christopher Froome qui fait une fringale. Fringale de Christopher Froome alors qu'on est encore à 7 km du sommet. Ou ça, c'est une image forte là qu'on voit là. Christopher Froome qui fait déjà une fringale, c'est la première fois que je le vois ainsi dans le jeu. En tout cas, après la mise à jour. Et regardez, il roule pas là. Bah oui, ils sont avec Christopher Froome, ils vont pas rouler, mais il faut pas le laisser dans notre roue là, Christopher Froome. Faut le décramponner un peu là, Christopher Froome. Mais voilà, on l'a décramponné un peu. Par contre, Valverde qui fait une superbe étape. Il est parti tout seul, Alejandro Valverde. 40 secondes d'avance là sur le quintuor de poursuivant. Avec Thibaut Pinot, Nairo Quintana. Ah, c'est fini pour Vincenzo Nibali également. Oh là là, beaucoup de favoris à la victoire finale là qui font des fringales tour à tour. Et nous, on est très bien. Nous, on monte à notre rythme et on fait le taf. Alejandro Valverde pour le moment qui fait la très bonne opération du jour. Robert Racing qui m'étonne, franchement. Bon, Nairo Quintana, je sais même pas s'il va finir dans le top 10 au général final. Tellement qu'il est déjà loin. Il est à 12 minutes, hein, Quintana. Plus que 5 km pour la tête. Oh là là là. Coup dur là. Coup dur Nibali qui n'était qu'à 15 secondes de nous. Il va prendre très très cher. Il a déjà pris une minute là, Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Et c'est fini pour Thibaut Pinot. Ils sont plus que deux dans ma roue, Nairo Quintana et Robert Racing. Ils sont que deux à pouvoir nous suivre. On va prendre notre ravito maintenant à 4 km 8 de l'arrivée. Et Alejandro Valverde qui va s'imposer facilement au sommet du plateau de Bay, à moins qu'il ralentisse et qu'on reprenne du temps encore. C'est fini pour Robert Racing, on n'est plus que deux. On n'est plus que deux en poursuivant. Christopher Froome qui est derrière pas loin. Mais ils font tous des fringales tour à tour et nous, on monte à notre rythme. On a encore une bonne barre bleue. Et ça fait notre affaire là, on est avec Nairo Quintana, mais il est loin en général, Nairo Quintana. Du coup, classement général, on va faire une très très bonne opération. Et moi qui pensais que cette étape allait être meurtrière pour nous, ben pas du tout. Alors on passe un petit coup, gros braquet là, hop. On a repassé le gros braquet. Un coup, Nairo Quintana qui est dans notre trou à 3 km du sommet. On voit Christopher Froome qui est derrière. Il se bat pour revenir, hein, Christopher Froome, il n'y arrive pas. On le voit très bien là, qu'il n'y arrive pas à revenir, Christopher Froome. Et c'est fini pour Nairo Quintana, on est tout seul. On est tout seul, on a fait craquer Nairo Quintana. Et on est en train de grappiller seconde par seconde à Alejandro Valverde. On fait une excellente montée là. Et Christopher Froome qui est seul derrière nous maintenant. Nairo Quintana s'est fait décramponner. Oh, cette étape, je pensais pas qu'on allait reprendre beaucoup de temps. Hein. Je pensais qu'on allait surtout en perdre. Et on est même en train de revenir sur Alejandro Valverde. C'est presque gagné pour lui. Il va gagner, hein, mais il va pas gagner avec beaucoup d'avance sur Mollema. Moins de 30 secondes, je pense, hein, vu comment c'est en train de diminuer. 2 km de l'arrivée. On a repassé le gros braquet un peu. Et on reprend encore du temps sur Christopher Froome. Faudrait ne pas en faire de trop non plus pour terminer à la fringale et perdre du temps sur Froome. Mais Valverde qui va s'imposer en costaud. En solitaire, il aura fait quasiment 10 km tout seul à les rendre au Valverde. Hein. À signaler, hein, 10 km seul à les rendre au Valverde. Il va s'imposer en solitaire aujourd'hui au sommet du plateau de Bay. Et voilà, belle victoire là pour l'Espagnol de la Movistar. Il le mérite cette victoire. Christopher Froome, il est derrière. On va lui reprendre quasiment 25 secondes. Allez, on va terminer à l'agonie, nous, personnellement, avec Boke Mollema. Et voilà, on termine tranquillement devant Christopher Froome à la deuxième place et derrière Alejandro Valverde. Très, très bonne opération pour nous. Je pense que... Enfin, oui, on garde le maillot jaune. On reprend même beaucoup d'avance sur le second, qui sera toujours Vincenzo Nibali. À moins qu'il ait perdu 2 minutes en 2 km, mais ça m'étonnerait. Mais très, très bonne opération aujourd'hui. En ce qui concerne notre ami Boke Mollema, on garde notre maillot jaune et on reprend même beaucoup de temps sur les autres. Donc c'est parfait. Allez, on va attendre Kenny Van Bilsen maintenant, qui est à 6 km du sommet.
Allez, c'est vrai que c'est un peu long. C'est dommage qu'ils ont pas laissé le truc qu'on peut faire start et avancer. Bon, ça laisse peut-être pas le choix aux joueurs de regarder les podiums, on sait pas. C'est pas plus mal d'un côté, mais bon. Oula, gros peloton qui arrive là. Allez, ils sont plus que 9 en course. 8, 7. Allez, Brun maintenant qui est à 3 km. Allez, on les attend tranquillement. Il n'y a plus personne qui arrive. Bon, ils vont être très très loin en général. Heureusement qu'il n'y a pas les hors délais dans le jeu. Hein. Très bien qu'ils rajoutent pour l'année prochaine quand même les hors délais. Parce que bon, des coureurs qui arrivent à quasiment une heure de retard, ça le fait pas trop. Voilà, ils sont là. Petit groupe de 6 coureurs. Allez, c'est parti pour les podiums. Du coup, Valverde qui va prendre le maillot blanc par rouge, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, on garde le maillot jaune avec Bokemolema. Voilà, on monte sur le podium avec les deux hôtesses. Maillot jaune pour Bokemolema. À rappeler, hein, on a le maillot jaune depuis la première étape. On l'a perdu que un jour, c'était sur la 10e étape. Mais sinon, toutes les autres étapes, on l'a porté le maillot jaune. Hein. Les 10 premiers jours avec Fabian Cancellara. Et là, depuis 2 jours maintenant avec Bokemolema. Donc c'est parfait, on n'a pas d'autre maillot. Ce qui est logique. Allez, on va regarder un petit peu mieux les classements là. Hop, alors. Et ouais, 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 il est en bonne forme. Guerre Racing est en excellente forme. C'est logique qu'il soit là du coup. Contador qui a pris 3 minutes 9 et Nibali qui prend 1:41. Allez, au général du coup ça donne Nibali qui est deuxième à 1:28 à présent, 3:23 pour Froome, 3:30 pour Valverde et 6:05 pour Thibaut Pinot. Oh là 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 là, Barguil qui fait une excellente 6e place, Gazing 7e, Bardet 8e, Galopin 9e, Van Garderen 10e et Contador. Contador qui n'est que 14e à 14 minutes 41 et Quintana 12e. Et Cancellara a signalé, il est quand même 13e à la sortie des Pyrénées, c'est énorme. Hein. Bon, bien évidemment, maillot blanc, poids rouge, c'est Alejandro Valverde. Uran qui le perd, malheureusement. Degenkolb qui prend le maillot vert à Peter Sagan grâce au sprint intermédiaire. Il y a toujours que 3 points d'écart, donc c'est serré. Pinot, maillot blanc. Mais attention à Barguil qui revient bien. La Trek, toujours meilleure équipe pour 56 secondes. Ouh là là, Nizzolo, meilleur combatif. C'est parfait, écoutez, suivant. Hop. Plus beaucoup d'énergie, mais on va un peu se reposer sur l'étape de Muret-Rodez. Donc c'est parti pour cette étape, en espérant que prendre beaucoup de points au classement maillot vert avec Giacomo Nizzolo. Et pourquoi pas enfiler le maillot vert, ça peut être une possibilité. On verra, je rappelle, hein, l'objectif de ce tour, c'est le podium avec Bokemolema au général. C'est le podium au classement maillot vert. Et c'est un maillot à poids. Alors, je pense qu'on va partir avec Frank Schleck pour un petit maillot à poids. Je pense qu'on va faire ça. Et toujours le temps de chargement hyper long. D'ailleurs, en parlant du petit planning, je vais vous le dire, hein, tant qu'on y est, parce que je vous ai dit le planning du TDF le mardi et samedi, mais en gros, le lundi, on aura. Alors que je vais prendre pour ce début de course, on va envoyer personne dans l'échappée, on va rester tranquillement. Mais on sait qu'on a Zubelja qui est très très bon en énergie. Ouais, bon. Allez, on va prendre Giacomo Nizzolo, café, citron, et c'est parti. Alors, donc au planning, on a le lundi, on aura le Pro Team et la carrière Pro FIFA. Le mardi, on aura le Tour de France et la carrière Manager FIFA. Le mercredi, on aura le Pro Cycliste et la carrière Tinkoff. Le jeudi, on aura le Pro Team et Minecraft. Le vendredi, on aura la carrière Tinkoff et la carrière Pro FIFA. Le samedi, le Tour de France et la carrière Manager FIFA. Et le dimanche, le Pro Cycliste et le Minecraft. Voilà, ça fait 2 épisodes de chaque série par semaine. Mais comme j'ai dit en priorité, ça sera le cyclisme. Voilà, voilà. Et ça fait du coup 5 séries. 4, non. Ça fait 7 séries. 7 séries, c'est pas mal. Ouais, Pro Team 1, Carrière Tinkoff 2, Pro Cycliste 3, le Tour 4, Carrière Pro 5, Carrière Manager 6 et Minecraft 7. 7 séries. Et sans compter les vidéos bonus, donc j'ai mis le draft, les vidéos détente et les lives. Qui peut tomber n'importe quel jour en semaine et en week-end, tout simplement. Allez, on a une échappée de 4 hommes devant Bono, Kemener, Colas et Bauer. Ils ont déjà 7 minutes d'avance, donc c'est pas mal pour l'échappée là qui prend beaucoup de temps. Donc bon, je suis pas contre pour la victoire de l'échappée, hein, nous, bon. Et pour le moment, on a combien de victoires d'étape? 5 4
4 victoires d'étape. Ouais. Et c'est 4 avec Cancellara. Il me semble. Je suis pas sûr. Bien évidemment, on va jouer le sprint intermédiaire. Allez, on va reprendre 5 km de la, du sprint intermédiaire, pardon, et pas de l'arrivée. 11 points à prendre. Si jamais on prend 3 points à Degen Kolb, ça, ça va faire plaisir. Ça. Très bien qu'il fasse pas le sprint et qu'on prenne tous les points. On va demander peut-être à quelqu'un de rouler. Un bon roller comme Jungels. Qui est bien placé aussi, Jungels, 36ème. Ouais, c'est le meilleur placé, quoi. On a Mollema, mais on va pas demander à Mollema de rouler. Il est là-bas, Jungels. Il va remonter bientôt. 4 km. Ok, il est là, Bob Jungels. Qui compte sur sa puissance pour faire la différence. Et Bob Jungels est là, et Rizard est derrière lui. C'est un bon rouleur, regardez, on le voit direct hein, que c'est un bon rouleur, Bob Jungels. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Allez, 3 km du sprint, il faut qu'il roule à bloc. Ou en plus, avec des légères montées, ça va faire mal au pur sprinter là. Bon, malheureusement, Degen Kolb n'est pas un pur sprinter, il aime bien les petites bosses, Degen Kolb. Va falloir faire gaffe, mais on le voit le maillot vert, il est loin un peu. Enfin, il est loin. Il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin. Allez là, 2 km. 1 km 6. Petit braquet. C'est parti maintenant. Allez, on emmène maintenant. Alexander Christophe, on va prendre sa roue à Christophe. Ça a l'air d'être la mieux. Nasser Bouani, Alexander Christophe maintenant. On va passer entre les deux. Ouh là là, on va prendre tous les points. On prend 11 points. Est-ce que Christophe. Oh oui. Oui, on est maillot vert virtuel, les gars. On est maillot vert virtuel. C'est pas beau ça? C'est magnifique, okay, maillot vert virtuel pour le moment. C'est parfait, on va donner le ravito à tout le monde. Bon, on est maillot vert virtuel, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Parce que Degen Kolb n'a pris que 5, nous 11. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que le deuxième, je ne sais plus du tout c'était qui. Donc ça tombe, c'était le deuxième du sprint intermédiaire et du coup on n'est pas. Il me semble que c'était Sagan. Et Sagan, je ne l'ai pas vu faire le sprint Sagan. Il n'a pas fait le sprint Sagan. Donc on est maillot vert virtuel. Donc ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Alors, non, on a 5 victoires d'étape, ouais, 4 avec Cancellara et une avec Mollema au mur de Bretagne. J'avais complètement zappé l'étape du mur de Bretagne. Bon, c'est pas grave, c'est une victoire quand même, donc faut éviter de zapper les victoires, c'est un peu con. Bon, si c'est trop dur pour Nizzolo, tant pis, hein, mais j'ai peur que Degen Kolb passe la bosse et Sagan aussi, donc pour le maillot vert, c'est un peu dommage. J'espère qu'il va passer. En tout cas, c'est plus une étape de repos, hein, du coup, pour récupérer pour les étapes d'après. Étape d'après qui risque d'être dantesque également. Ça roule, 2 minutes d'avance encore, donc l'échappée peut encore rêver d'aller au bout. Allez, on va reprendre maintenant à 23 km de l'arrivée. Ça va commencer un petit peu à partir en cacahuète, si je peux me permettre, dans le peloton. Un équipier vient de se faire lâcher, ne comptez plus sur lui. Qui a une bonne énergie là en fait? Cancellara, Zubeldia. Zubeldia, il y a moyen de faire un truc, hein. Ou Cancellara, le coup du kilomètre encore une fois, pour la 18ème fois sur ce tour. Allez, ça roule fort là parce que Nizzolo il va pas tenir, hein, je pense pas. Non, Nizzolo ne va pas tenir. En fait, je sais pas qui a une bonne pointe de vitesse et qui passe bien les boss. Je sais que. Atapuma, n'importe quoi. Bah, si c'est Atapuma. Arredondo, pardon. Passe bien les boss, mais il a plus de barbe bleue. Je sais que Zubeldia passe bien les boss, mais je sais pas s'il a une bonne pointe de vitesse. Franchelec passe bien les boss, mais il a pas une bonne pointe de vitesse. Et Nizzolo passe bien les boss, il a une bonne pointe de vitesse, mais il a plus de barbe bleue. C'est compliqué. C'est compliqué, je sais pas quoi faire. Clairement, je vous le dis, je sais pas quoi faire. Le peloton roule fort, restez bien placé. Alors. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Ouais. Hop. Allez, 16 km de l'arrivée. On est bien placé, hein, on est bien placé. Il n'y a personne qui perd de la barre. Donc bon. Pour le moment, ça se passe bien. Et Rizard qui est déjà lâché, bien évidemment.
Bon, l'échappée, elle, je pense pas qu'elle va aller au bout, hein. Plus que 45 secondes. C'est la MTN qui roule, c'est étonnant ça, de voir la MTN rouler en tête de peloton, c'est vraiment étonnant. J'avoue que ça m'étonne pas mal. Et se contente le coup du kilomètre avec Fabian Cancellara. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Je pense pas qu'il va passer, hein, Nizzolo. Je pense pas du tout. Là, en tout cas, on arrive dans la difficulté. Et ça m'étonnerait qu'il passe. Je pense que c'est mieux de tenter une attaque avec Cancellara. Attendez, on va voir sa barre bleue à Cancellara. Ah, elle est pas non plus énorme, énorme, hein. Ah, Nizzolo, en fait, elle est pas... Bon, écoute, on va tester avec Nizzolo. La prochaine côte devrait permettre aux hommes forts de faire la différence. Son sommet. Allez, par contre, s'il y a des attaques, je vais changer direct. Si je vois un petit Valverde sortir, je passe direct sur Mollema. Quand même, il faudra en garder sous la pédale dans la perspective. Ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Non, ça va pas être possible avec avec Nizzolo, je pense. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Faut que je reste gros braqué pour les suivre, et si on reste gros braqué, on va mourir. Donc, ça me paraît bien compliqué cette affaire. Et plus que 20 secondes, hein. Matteo Bono qui est parti tout seul en tête. Ah, voilà. Ils se sont fait reprendre là les deux poursuivants. Jack Bauer et Golas. Non, Bono. Qu'est-ce que je dis, moi? Ah, ça roule fort, hein. Ça roule fort à 1 km du sommet. Faut que je garde ma barre bleue également, hein, moi. Je pense que c'est cuit, hein, pour Nizzolo. Cancellara, on le voit bien, il est là. Je crois que c'est complètement cuit là pour Nizzolo, malheureusement. On va passer sur un Cancellara. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Au pire, passer sur un Mollema, on verra bien. Allez, on repasse là. Les 10 derniers kilomètres, on se dirige vers une arrivée groupée. On va donner le ravito à tout le monde. Là, on va peut-être prendre notre ravito maintenant. 9 km, ça va descendre maintenant. Hein, donc, bon, peut-être un mince espoir qu'on parvienne à rester. Mais bon, comme j'ai vu comment on s'est fait larguer là, je pense qu'on va avoir du mal à disputer le sprint en boss. Hein, parce que ça va être plus dur que là. Hein. Ça va être plus dur que la dernière boss qu'on vient de passer. On voit Christopher Froome qui est très bien placé. On vient de prendre notre ravito. Cancellara est très bien. Mollema aussi, mais ça roule trop fort. Hein. Pour tenter un coup du kilomètre, là, clairement, ça roule de trop. 5 km de l'arrivée. Un petit braquet, on arrive à suivre, donc bon, c'est plutôt pas mal. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse sprinter. Ça m'étonnerait fort. On va tenter quand même, on va tenter. Qui ne tente rien à rien, on va passer à gauche là. Ça s'est ouvert un peu. Ah, ça roule très fort, hein, ça roule très fort. Mollema est bien. Mais c'est nous qui roulons. C'est quoi cette blague? C'est un gars à nous qui roule. Arrêtez de rouler les potes. Comme ça je me repose un peu. Voilà. Ouais, reposer un peu. C'était une belle expression ça, putain. Est-ce qu'on va pouvoir sprinter avec Nizzolo? Je ne sais pas. Il y a une chute. Attention, chute. Deux derniers kilomètres sont en côte. Une défaite. Attention, 2 km en pente, hein. 2 km en pente. Que ce soit pour l'étape, mais aussi pour le général. Ça roule fort, ça roule très fort. Est-ce qu'on va pouvoir tenir là avec Giacomo Nizzolo? Je sais pas. Je pense pas. Ça va jouer devant la victoire. Va falloir suivre maintenant, on voit Boke Mollema qui est bien placé, le maillot vert il est bien devant, donc on sera pas maillot vert quoi qu'il arrive. Hey, il fait une fringale le maillot vert. Il s'est trop donné. Nous aussi, mais on sera devant le maillot vert. Et ça va être la victoire devant de qui? Ah non, on aurait dû être 15ème pour prendre des points malheureusement. Victoire d'Alexander Christophe devant Boissenhagen, Romain Bardet. Mollema qui fait 5, j'ai vu. Ah, dommage, dommage, j'ai voulu contrôler Giacomo Nizzolo pour essayer de prendre des points, mais malheureusement c'est pas passé. Je pense que ça va être De Gendt-Kolb qui va prendre les points. Non, de Christophe qui va prendre le maillot. Donc on va attendre Dominic Nerz. En tout cas, j'ai vu De Gendt-Kolb faire une fringale, du coup il ne prendra pas les points. Et si Christophe était très loin et n'était pas en liste pour le maillot vert, ben on sera maillot vert ce soir. Maintenant c'est à voir. Allez, on attend l'arrivée de Dominic Nerz maintenant. Voilà, on le voit, le petit Nerz. Bourg-Argon.
Et on va voir les podiums. Est-ce qu'on, en plus du maillot jaune qu'on va garder, est-ce qu'on aura le petit maillot vert? Suspense. On peut dire que le tour se passe idéalement. En tout cas, on garde le maillot jaune avec Bokemolema à Rodez. Donc c'est la, le troisième jour en jaune pour Bokemolema. C'est parfait. Et on prend le maillot vert avec Giacomo Nizzolo. Ça c'était pas prévu, mais ça fait plaisir. Un nouveau maillot dans l'équipe. Giacomo Nizzolo et maillot vert de ce Tour de France 2015 au terme de la 13e étape entre Muret et Rodez, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on a le maillot vert, c'était pas un objectif du tout, l'objectif c'était le podium, mais maintenant si on peut essayer de le garder jusqu'à Paris, ça peut être sympa. Bref, on verra, en tout cas on voit notre ami Mollema qui fait une belle 5e place, Cancellara 11, Nizzolo 20, 30 points, il n'y avait pas non plus énormément de points à prendre, en tout cas au général aucun changement. Aucun changement. Maillot blanc, poids rouge, aucun changement. Et maillot vert, on reprend. On reprend. On a 3 points d'avance sur Degen Kolb. Et 9 points d'avance sur Peter Sagan. Et ouais, Christophe, il est encore loin malgré ses 30 points. Donc ça, ça fait plaisir. On reprend un petit peu de marche par rapport à Sagan. Thibaut Pinot, toujours maillot blanc. Ça, ça ne change pas. La Trek, toujours meilleure équipe. Ouais, ok. Aucun changement parmi tous les classements, hormis le maillot vert. On va se garder. Hop, comme d'habitude. Les petites sauvegardes qui font zizir. Hop. Voilà. Suivant. Du coup, l'énergie, ça va déjà un tout petit peu mieux. Vraiment un tout petit peu. Et on va se retrouver la prochaine fois pour faire 3 étapes. La prochaine fois, en tout cas, on va retourner avec 3 étapes. Étape entre Rodez et Mantes, Mantes-Valence et Bourg de Péage Gap. Donc, 2 grosses étapes de vallon et une petite étape de plaine. Donc on verra ce qu'on peut faire avec Mollema, peut-être remporter l'une des deux, on ne sait jamais. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Twitch, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à m'ajouter sur la PS4, donc le PSN et Skype, Monsieur Jeux Vidéo 13. Si vous voulez jouer avec moi, discuter, si vous avez des questions par rapport à la chaîne, n'hésitez pas, vous m'ajoutez, vous me parlez. On se pose un soir et on suit une partie de FIFA, de PCM, de ce que vous voulez, Rocket League, enfin bref. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé, on se retrouve très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.